Pour la mer, c'est une mer qui agite sous non seulement côte sud pays d'Haïti, mais c'est une mer qui a agité à Fort, mais pour golfe de la Gonave avec la région nord pays d'Haïti, pas gagné trop de soucis. Capitaine est capable de naviguer correctement parce que la mer peut agiter sous zone Sahel, mais sous côte sud pays d'Haïti par rapport avec la pluie qui a tombé et visibilité qui a réduit la mer, elle est vraiment agitée à Fort, la main des capitaines, précaution avec prudence sous côte sud pays d'Haïti. Et pour parler astronomique, je dis à ce soir, elle a couché à 6h59 minutes et la levée de matin à 6h36 minutes. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bon après-midi. Dans l'actualité, il y a arrêté qui nommé membre cabinet ministériel là, publié mercredi 5 septembre là, dans le journal officiel PIA Le Moniteur. Citoyen Jean-Claude Pierre, nommé ministre planification et coopération externe. Bochit Edmond, ministre affaires étrangères à Kilt. Ronald Décembre, ministre économie et finance. Jobert C. Engrand, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Fritz Caillot, ministre travaux publics, transport et communication. Ronel Gilles, ministre commerce et industrie. Osnia Richard, ministre environnement. Marie-Christine Stephenson, ministre tourisme. Jean-Woudi Ali, ministre justice et sécurité publique. Mamata Irène Ternier, ministre haïtien qui vive l'autre bord de l'eau. Jean-Marie Renaldo Brunet, ministre intérieur et collectivité territoriale. Pierre Josué Agenor Kader, ministre éducation nationale et formation professionnelle. Élise Gélin, ministre affaires sociales et travail. Marie Gretawa Clément, ministre santé publique et population. Evelyne Saint-Ville, ministre conditions femmes et droits femmes. Edwin Charles, ministre jeunesse et sport et action civique. Jean-Michel Lapin, ministre Kilti et communication. Enol Joseph, ministre défense. Gérald Oriol, secrétaire d'État pour intégration monde handicapé. Émile Boutu, secrétaire d'État alphabétisation. Ronsard Saint-Cyr, secrétaire d'État sécurité publique. Et Eddie Jackson Alexis, secrétaire d'État communication. L'autre dossier, ministère économie et finance, dans tête collée avec ministère planification et coopération externe, lancé mercredi 5 septembre dans Pétionville, un nouveau projet qui porte nom projet amélioration et gestion information et statistique. Cérémonie s'est déroulée en présence ministre économie et finance démissionnaire Jude Alix Patrick Salomon et divers autres cadres dans l'institution. Nous invitons à suivre plus dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Michel Joseph. Nouveau projet ça pral permettre ministère économie et finance maîtriser pi bien information financière yo et pi permettre yon pi bon contrôle sur transactions financières dans administration publique là d'après sa ministre économie et finance là Judalix Patrick Salomon expliqué. Faut nous dire réforme des finances publiques là son bagage qui commençait depuis un bon petit temps déjà depuis la fin année 90 yo. Et où qu'on est l'état en général il prend temps pour le bouger. Donc, réforme a commencé depuis la période ça, nous avons fait loi sur finances publiques qui ont évolué, nous avons créé des institutions, particulièrement autour de 2004-2005, nous avons créé plusieurs institutions, y compris à l'époque l'ULCC, mais UCREF et CONAL, c'est dans la période ça. Nous avons créé des corps dans le ministère de l'économie et des finances, corps des comptables publics, corps des contrôleurs financiers et inspection générale des finances. Et là, nous avons déploiement, réforme, notamment, nous avons déployé des comptables publics dans toutes institutions, mais également dans le département, de telle sorte que transactions financières sont capables d'un meilleur contrôle qui fait sur eux. Donc là, son étape nouveau que nous franchissons, une étape nouvelle que nous franchissons dans la réforme nan, à travers le projet ça que nous lançons aujourd'hui. Responsable réforme finances publiques, Charles Kadeb, au côté PAL, expliquez ministère pour le mettre en place dans le cadre projet amélioration et gestion financière information statistique page FISLAN, un logiciel informatique qui porte nom système intégré de gestion des finances publiques SIGFIP. Soutien informatique ça pour faciliter l'interconnexion toute base de données qui était utilisée dans le système financier. Avant, dans le ministère des finances, là, où tu as plusieurs sous-systèmes, plusieurs bases de données qui sont reliées une à l'autre.
L'aile par où les Yunalot, ça fait que des fois qu'il y a des pertes d'informations qui vont faire. Hein? Des pertes d'informations. Il y a plusieurs systèmes d'informations dans le ministère des Finances là, actuellement. Ou gagne par exemple, avant, on a gagné 6D. Ce sont des systèmes informatiques. Hein? Ou gagne 6 comptes. Ou gagne 6 pays. Ou gagne, on va y aller GL, qui pour la comptabilité publique. Bien. Mais il n'y a pas forcément relié l'une à l'autre. Et le fait que vous va relier, ça fait que vous perdez des informations. Nouveau projet Page Fislan, rentré dans le cadre de l'effort institution à faire pour mettre plus de sécurité dans le système finance publique. Jean ça a toujours fait chaque année l'État haïtien subventionner livres pour élèves dans la maison Henri Deschamps dans l'idée pour faciliter par an yo acheter livres dans un plus bon prix. Directeur général maison Henri Deschamps confirmé livres subvention yo disponible. Stéphanie Charles et Hervé Pierre Abdinon plus dans un reportage. Vérification livio, si y a ti contrat subvention, c'est ça qui explique l'État n'a mette livio disponible sous marché à Anissa, d'après directeur général Maison Henri Deschamps. Lundi 3 et septembre, là, que toute obligation fin remplie et toute livre fin compté et l'État. Et payer avance sous et sur les premières tranches, deuxième tranche sous et contrat subvention. Nous avons des rapports pour nous remettre par le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons une caution bancaire pour et garantie de bonne exécution contrat pour nous remettre par l'Éducation nationale. Caution d'avance pour avance sous valeur subvention que l'État a payé par l'éditeur. Et nous avons gagné tout pour gagner inspecteur ministériel pour te venir compter livio, vérifier que tout livio là, tout livio conforme à sa contrat dit. Peter Frisch fait connaître par an yo ap ka joine seulement livre l'État subventionné yo pendant li préciser si stock la fini, c'est prix normal, il a payé en dans maison. À partir de hier mardi qui était 4 et septembre, c'est juste ça que Ventlan l'ouvrit tout bon bail public. Là. Donc si yon parent paraît là hier, il paraît là jodi, il paraît là dorénavant, l'abjoint livre subventionné jusqu'à épuisement stock qui subventionné parce que fon connaît tout que chaque titre que l'État subventionné, n'est pas subventionné en quantité illimitée. Ce n'est pas pour toute valeur population en besoin que livre l'enca et qu'a vendre dans prix subvention. Donc, si l'État subventionné et 10 000 exemplaires non livre, c'est 10 000 ça seulement qui a vendre dans prix subventionné. Une fois que 10 000 l'en fin vendre dans prix subventionné, et l'autre même livre l'en et pour l'autre quantité qui vient en après, c'est dans le prix normal pour le vendre. Anessa, l'État haïtien subventionné plus passé 63 titres sur 100 titres dans le programme subvention. CIM a dit 4 septembre, le contrat subvention ça a commencé effectif d'après Peter Fritsch. Association auto-école ANEC dénonce façon en pile citoyen a besoin permis conduire dans pays. Responsable ANEC yo kwè en pile chauffeur qui gen permis conduire cap si ki les sou route yo pas recevoir formation dans yon auto-école, ça qui la cause en pile cas accident enregistré. Dans sens ça ANEC mande l'État haïtien mette sous pied yon campagne sensibilisation sou éducation routière et puis travail davantage pour normes ak principe circulation yo respecté. Nous invitons à suivre plus dans le micro Marie Dieudonne et Hervé Pierre. Nous avons demandé que l'État prend conscience de véritable rôle auto-école, dimension et circulation dans la vie sociale. Circulation qui reflète le niveau de civilisation en société. Circulation qui permet de découvrir le niveau d'éducation au peuple. Avec toute instance qu'il a pour travailler ensemble, disons en synergie, dont les mairies qui ont un rôle pour gérer la question de circulation, dégager la voie publique, nous gagnons des travaux publics depuis un moment, les affaires routières pour faire entretien, pour garder configuration et intersection et géométrie chaussée. Donc tout ça, on dit c'est toute institution ça, qui pour mettre tête ensemble, mais c'est à travers bien sûr une politique publique que l'État a dû faire.
Nous prenons les Miragouane côté dans la nuit 2 pour l'ouvrir 3 septembre. Individu pas arrivé identifié. Mettez du feu dans le bureau EDH Miragouane. Incendie ça pas fait trop de dégâts selon un responsable institution ça qui longe douet sur un groupe monde qui t'a posé action malhonnête ça. Anne Myriam Abdi nous plus détails. Individu moun pas identifié mettait du feu dans local électricité d'Haïti Miragouane dans l'une 2 pour l'ouvrir 3 septembre 2018 là. Et ça dit ça qui pas fait trop dégâts paniqué sérieusement employé EDH yo. Youn responsable EDH Miragouane yo longe droite sur un groupe moun qui tap manifesté dans ville la fin semaine passée a pour dénoncer blackout total ville la a vive depuis un bon bout de temps qui t'a metté menace à exécution. Neptune Marc Eugène c'est youn responsable EDH Miragouane. Le nous dit que c'était un groupe manifestation qui était passé là qui était fait promesse que si pas gain courant il a brûlé bureau EDH Miragouane. Effectivement hier matin hier lundi c'était téléphone et Stéphane m'a sonné il relé me dit que bureau EDH Miragouane là il brûlé parce que ou là ouais côté que porte nous brûlé en dedans plein mousse bouteille faut nous dit depuis un bon bout de temps ville Miragouane c'est pas contre goutte les jeunes petit courant électrique ça qui bail espace à bandi 100 fois ni loi pour multiplier zak banditisme dans rançonner monde qui passé casser des pots marchandises à caille privée. Même situation tout posé pour de l'eau potable qui pas coulé dans robinet abonné depuis plusieurs mois, ça qui poussait même groupe individu ça yo t'est tenté brûler bureau direction nationale de l'eau potable et assainissement Miragouane nan dîner pas. 6 mois passé 24 heures de temps après attaque qui fait sous deux bureaux ça yo responsable EDH yo t'est alimenté ville en courant électrique l'année 3 4 septembre malgré visiblement travail yo a marché aucun responsable dîner pas. Pas en mesure dit qu'il est calvé abonné d'une paille à fini. Anne Myriam Loiseau, métropole Miragouane pour TNH. Merci Anne. Après un coup de pause dans le journal, arrêtez branché, Naptoune. Université INUCA 1988-2018. 30 ans d'excellence et de progrès. 30 ans d'innovation scientifique et technologique. 30 ans de développement exponentiel. INUCA, l'université de la gloire de Dieu. Tabac 43, boulevard 15 octobre, Port-au-Prince. Phone 2941-0106. 2944-0109. Dans la page internationale, le président Corée du Nord et Corée du Sud apparaît pour rencontrer pour une troisième fois, sorti 18 pour arriver 20 septembre dans Pyongyang, capitale Corée du Nord. Chita Palessa a dû porter un autre souffle dans la promesse pour dénucléariser la péninsule. Malgré rencontre président Donald Trump et président Kim Jong-un dans le mois j'ai passé, il n'y a pas trop avancé dans la discussion entre Washington et Pyongyang. États-Unis fait qu'on est Nord-Coréen pas investi assez dans le processus de nucléarisation pendant Pyongyang dit que les Américains ont fait un petit campé sous sanction qu'ils ont mis sous pied. Dans le sport, n'a pas le football sous plan local, match amical jeudi, n'a pas les votes de ces marques entre sélection senior pays d'Haïti et sélection UV masculin, 4 jours de rencontre Haïti US Saint-Martin, dans 4 premières journées Ligue des Nations de la CONCACAF. À l'étranger, toujours football, France-Allemagne, c'est prêt pour jeudi à Munich, dans 4 Ligue des Nations UEFA. Hugo Loris, gardien équipe de France, là, absent pour rencontre. Information après poursuivre qu'on y a nous parler pot paix côté sous l'ordre président République là Comité national initiative pour innovation et insertion géniaux distribuer motocyclette by 10 comité communal jeunesse dans département Nord-Ouest là. Activité ça a été déroulée dans délégation départementale Nord-Ouest là à mercredi 5 septembre. Marc Eddy Osam pour plus de détails.
Après laptop, clé USB et un téléphone intelligent, Comité national initiative pour innovation et insertion socio-professionnelle jeune remet une motocyclette par chaque comité local jeune dans 10 communes du département nord-ouest. Ça a facilité même comité au déplacer pour aller supporter activité jeune qui a réalisé dans la communauté d'après Jourdain Merveilleux qui est même comité national. L'activité aujourd'hui a fait suite à forum qui était organisé dans le mois de janvier par le président de la République là, avec comité local jeune qui est dans la commune en de la République là. Et je dis, nous remettons devant la presse avec le délégué départemental là, motocyclette qui a permis qu'il y ait moyen pour déplacer, pour aller supporter l'initiative de jeunesse qui a fait, qui est dans le quartier, qui est dans l'église et quel que soit côté lui. Délégué départemental nord-ouest là, agronome Aurel Théoc Soubopal, mandé bénéficiaire yo pour faire bonne gestion de matériel yo. Des stratégies pour nous utiliser matériel Zao à bon escient pour que l'autre jeune que l'Ipari venant meilleur capable de joindre tout. Et je ne dis pas la jeunesse dans le pays d'Haïti, nous connaissons les manqués encadrement, mais avec le comité ça, nous sommes capables de travailler ensemble dans l'activité qui a contribué à l'émancipation de la jeunesse. Yon n'a bénéficié yon qui pas de cacher contentement li pour mettre pour servir avec matériel Zao pour remplir mission li comme ça doit. Matin nous sommes toujours contents de le côté président penser à nous qui ont déposé matériel Zao. Pour nous, on a été dans nos laptops, on a été dans nos téléphones, tout, pour nous travailler avec le président. Et puis, nous n'avons pas fait le dessus de nous, nous avons travaillé de conseil avec pour nous mettre à Haïti sur l'autre part. Depuis, c'était Capo la mort, Port de Paix, Marc Eddy Osam, Antenne Télévision d'État. Et c'est sous notre sas, amis téléspectateurs, nous mettons un bout dans la quatrième sortie journal mi-temps journée pour semaine ça. Nous remercions pour attention et fidélité. Restez sous télévision pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.